Alors là, en fait, on est allé prospecter suite à un coefficient de marée assez haut. Donc on était sur du 119. Donc ça a remis en eau tous les gîtes. Donc les gîtes, c'est là où on va retrouver les larves de moustiques. Suite à ça, on va mettre en place des traitements pour diminuer les densités larvaires qu'on va retrouver sur tous les terrains, sur toutes les zones humides. Les moustiques qu'on va retrouver en zone humide ici, c'est des moustiques donc d'eau saumâtre. Ils sont très agressifs envers l'homme. C'est ceux qu'on va retrouver généralement au moment de l'apéro ou où ils nous embêtent le plus souvent. Nous allons principalement cibler le moustique de marée qui va migrer sur 15 km. Donc pour l'instant, avec ces fortes chaleurs actuelles, nous sommes aux périodes de fin avril, début mai. Le cycle larvaire s'accélère, donc nous n'avons que 5 jours pour traiter les larves qui sont actuellement abondantes. Concernant la lutte contre le moustique tigre, pour l'instant, une campagne de communication est mise en place afin de faire de la prévention sur les habitats, de couper l'eau aux moustiques afin de ne pas laisser proliférer les moustiques tigres dans les habitations.